Non, mais nous avons dévoilé. Hein, il y a, alors, vous savez, hein, c'est des cyclistes, donc il faut leur donner quelque chose qui soit pratique. Je pense qu'il était nécessaire que nous ayons cette soirée pour le féliciter, pour le remercier et puis pour l'encourager avec des moyens financiers pour qu'il poursuive son aventure et qu'il continue à nous faire plaisir, qu'il continue à nous démontrer à la fois son humilité, son intelligence, parce qu'il dit « je suis fou », mais il n'est pas si fou que ça en réalité. Et je pense que c'est aussi un fin stratège. C'est cette contribution là. Et donc, voilà, chers amis. C'est super, ça veut dire que j'ai fait quelque chose peut-être de bien. Pour moi, c'est le principal et c'est avec honneur que je suis invité et que je réponds présent. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de m'organiser pour faire plaisir aux gens qui m'ont encouragé et qui me soutiennent. Le peloton a bien rigolé, je les ai bien fait rire. Et au final, c'est moi qui en rigole maintenant parce qu'ils ont rigolé, mais ils m'ont laissé partir. Et du coup, le fou, il est allé au bout, quoi. Donc, ça montre qu'il n'y a pas d'action, nulle et qu'on peut partir au coup de sifflet et que, voilà, c'est une question de gestion. Moi, je connais mon niveau, je connais ma forme. Après, voilà, c'est passé. Bon, l'année prochaine, peut-être je serai plus surveillé. Mais... C'est une très belle initiative parce que c'est une première. On ne s'attendait vraiment pas. Bon, malheureusement, Mévin n'est pas là, il est en Guyane parce qu'il a été sélectionné. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Et je remercie la municipalité, monsieur le maire, pour cette démarche. Vous parlez de petite aide, mais en fait, pour lui, je pense que c'est une grande, dans la mesure où le vélo, c'est onéreux. Ça demande énormément. Et ça peut être pour acheter un casque, des chaussures, parce qu'après un tour, j'ai envie de vous dire, tout s'use en fait. Voilà.